Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'ouvrir 24 boosters astres radieux, ils sont juste là. En regardant ma chaîne YouTube, je me suis rendu compte que je vous avais ouvert très peu de boosters astres radieux. Pourtant c'est une série que je trouve très très belle et j'ai regardé un petit peu les cartes qu'il y avait à l'intérieur et j'ai vu un Jirachi full art juste magnifique et je me suis dit ok, je vais ouvrir le maximum de boosters que j'ai, donc 24 hein, c'est ce qui me reste, et je vais faire une vidéo à la recherche du Jirachi full art. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui c'est objectif Jirachi full art, 24 boosters c'est peu mais on croise les doigts pour avoir Jirachi. Peut-être que Miss Jirachi, mon pseudo, va nous porter chance. Si ça vous intéresse, ces boosters je les ai vus sur le site de Parkage, donc ouais, je vous mets le lien du site dans la description et le lien des boosters si j'en trouve. Je pense qu'ils en ont encore sans souci. Et j'ai toujours un code promo d'ailleurs de 5%. PK Miss Jirachi qui vous donne 5% de réduction sur le site. Or, ce qui est déjà en réduction évidemment. Du coup, c'est parti pour l'ouverture. Let's go! Et nous voilà avec les boosters. Alors, il y en a 24, hein, ils sont juste là. Mais je voulais vous remontrer quand même les 5 illustrations différentes que nous avons dans cette série qui sont vraiment magnifiques. Je suis hyper hyper fan. Franchement la série est vraiment très très belle et je me demande pourquoi j'ai fait aussi peu d'ouverture par rapport à ça. En fait je suis très vite passée à Origine Perdue vu que je l'ai reçue pas mal en avance. Et donc du coup j'ai un peu zappé Astre Radio et je me suis dit c'est dommage quand même, c'est dommage, il faudrait faire plus de vidéos. Et voici la vidéo en question, du coup c'est parti. On commence tout de suite avec un code noir qui fait plaisir. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on ouvre le tout premier booster. Enfin, j'en ai déjà ouvert, hein, mais de cette vidéo, c'est parti. Nous avons un Yanma, Medienna, Simularbre, Baudrive, une énergie électrique, chaussure de randonnée, Magnéton, Roxane, Apitrini. Nous avons... Oh my god, on commence directement. Oh my god, on commence directement. Mais j'en reviens pas. Ah mais... Oh là... Qu'est-ce que c'est que ce booster, les gars? C'est le premier booster de la vidéo. Et dès le premier booster, oh my god, nous avons un Silveroi, Cavalier du Froid, VMAX en secrète, plus ou moins. C'est la série TG, donc c'est une série secrète. Et nous avons cette carte magnifique, black et gold, qui est trop trop belle, qui est brillante, qui est... Oh. Oh là là, incroyable, et derrière un Darkrai V Star, exceptionnel, exceptionnel dès le début de la vidéo, c'est incroyable, ça fait une minute que je filme avec la caméra et on a deux cartes incroyables, on les met tout de suite sous pochette avant de continuer, mais je sens que j'ai bien fait d'ouvrir ces boosters les gars, je sens que j'ai bien fait, de toute façon il m'en restait vraiment beaucoup, 24 boosters, je me suis dit il faut que je fasse une belle vidéo avec. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, je suis trop contente les gars, je suis trop contente, regardez comment on commence cette ouverture de malade. Ok c'est parti, on enchaîne avec la suite. Allez let's go, c'était quel booster qui nous a... C'était un Clamiral, Clamiral, j'adore Clamiral, c'était le Pokémon que j'avais choisi à l'époque dans mon jeu. Donc hyper hyper fan, on est reparti, on a encore un code noir les gars. C'est parti, Quillfish, Medienna, Shaglam, Yanma, une énergie plante, miel, Mélocric, curry épicé au piment, Marcacrin, Yann Mega, c'est une peu comme une reverse. Et on continue encore avec une ultra rare, il s'agit cette fois-ci de Palkia originelle V. Je suis trop contente parce que du coup j'avais très peu de cartes de cette série, j'ai ouvert juste il me semble 12 boosters et une ETB, donc du coup j'avais quasiment rien, et là en 2 boosters on complète de ouf. Trop contente, magnifique Palkia, originelle V. Bon c'est pas une carte très très rare dans l'extension, c'est une V, mais ça fait toujours hyper plaisir de tomber sur une belle carte comme ça et complétée hein, surtout. Je vous avoue que je sais même plus ce que j'avais ou pas dans l'extension. Code blanc cette fois-ci, donc on n'aura rien à la place de la rare, mais peut-être quelque chose à la place de la reverse comme le Silveroi. Tout est possible, nous avons un Goupillou, Tarsal, Togepi, Pijako, Magnéti, Énergie Obscure, Togektik, Piolet courageux, ça m'a perturbé. Bellila, en reverse, un Seafrousse, très mignon, c'est une commune reverse. J'aime beaucoup l'illustration et nous avons un Givrali en rare. Ok, ça m'a perturbé là. Deux premiers boosters, deux ultra rares. Alors là, pour le coup, c'est chic-choc, comme dirait mon papa. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Et c'est reparti directement avec un chlorobule, goupillou, grelasson, hippopotasse, canineuse de l'issue, une énergie hausse, calproie, sika, ferisson, un reverse magnifique créelfe de suie. C'est quoi, c'est une rare, j'imagine? Non, même pas, une peu comme une reverse, ok. Et nous avons derrière un apirène en rare. Ok, ok, on complète la collection. En plus, maintenant, je me suis remis à trier moi-même mes séries. C'était ma maman qui le faisait pendant un bon moment. Mais là, je retrouve du plaisir à trier mes séries et tout. Depuis les World Pokémon, là, les gars, je suis à fond, à fond. Barloche, Evoli, Scarino, Démanta, Bargantua de Hisui, une énergie combat, Crefaday, vitalité de Flo, Barbicha. En reverse, un Beaudrift, c'est une commune reverse. Et nous avons un Régi Eleki en rare assez basique. Ok, je suis hyper, hyper fan de ce Archiduc de Hisui. D'ailleurs, j'ai décidé officiellement de commencer Pokémon Arceus, que je n'ai jamais joué. Donc là, c'est bon, je vais faire Légende Arceus sur Switch. Bon, de mon côté, hein, je pense pas que je ferai de let's play ou quoi, parce que c'est un peu tard, tout le monde l'a déjà fait ou vu. Mais comme ça, je serai ready pour découvrir d'autres Pokémon de Hisui, peut-être que je ne connais pas déjà. Brindibou, Quillfish de Hisui, Moustillon, Scalpion, Hoot, une énergie feu, Ferrisson, Fortifiant Obscur, Scalproie, Farfuret de Hisui, très 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 belle carte. Et nous avons une holographique derrière, Adamantin en holographique. Ok, que je n'avais pas, je pense. Il me dit rien en tout cas. Donc, très content. Très content. Bon, j'ouvrirai ces boosters un peu plus rapidement que ceux des premières vidéos Astre Radio, évidemment, parce que là, on a déjà découvert les communes, peu communes et tout. On est vraiment à la recherche du Jirachi, les gars. C'est reparti avec Magnéti, Teddy Ursa, Farfuret de Hisui, Feu-Faux-Rêve, un sécateur, une énergie psy, Matloutre, Yann Mega, Selena, un archiduc de Hisui, très très belle carte, un rare reverse, je pense que c'est même une holo reverse à mon avis, et derrière nous avons un arcanin de Hisui. Ok, alors mes cartes sont déjà en train de tomber, elles sont pas tombées, ça va, elles sont pas tombées, elles se sont propulsées, mais elles sont là, elles sont contre le mur, on est bon. Allez, on est reparti avec un super booster de Zekrom, magnifique, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, des belles cartes, nous voulons un Jirachi, s'il vous plaît, un insécateur, Archéomir, Canineuse de Hisui, Furéglon, Quillfish de Hisui, une énergie acier, Turbo Patience, Mateloutre, Rusticité, Scarino, c'est une commune reverse, et derrière un Regice en rare. Ok, why not, on veut des codes noirs les gars, un code blanc, le Jirachi sera forcément sur un code noir, hein. Bien sûr, on ne pourra pas l'avoir dans l'extension secrète. Mais on pourra avoir d'autres belles choses. Apitrini, Tarsal, Togepi, Goupillou, Pijako, une énergie O, électrode de Hisui, lunettes super efficaces, Archéo donc, un feu faux rêve, commune reverse et Registeel en rare. On a tous les Regice, on a eu Regice, Registeel, Regieleki, il nous manque Regidrago et Regirock, et nous avons un code noir, j'adore. J'adore quand on a un code noir, les gars, est-ce que ça annonce quelque chose de beau, de bien? Chlorobule, Serfrous, un Grelasson, Hippopotasse, Hérissandre, une Vestar, Aquaquack, Chariot Échange, Mélocric. Nous avons, waouh, nous avons une magnifique carte. Elle est incroyable, les gars. Elle est incroyable et on a un code noir. Donc, on a encore deux cartes ultra rares. Oh my god. Et il s'agit d'une carte incroyable. Il s'agit d'une Rainbow. C'est une carte secrète. Ça, c'est un combo de malade, encore une fois. Oh là 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 là, autant je suis pas fan des Rainbow, autant Rainbow V-Star de Hisui, pa, ça envoie du lourd de ouf. Oh là 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 là, allez, on met ça sous pochette de suite. Alors je vous montre très très rapidement les cartes de près, parce que, oh là là, ce Karchakrok V, les gars, je sens qu'il est rare, je sens qu'il est... Il est beau, je sens qu'il coûte cher aussi à mon avis. Magnifique. J'ai regardé en fait les cartes V de cette série Trainer Gallery sont assez recherchées parce qu'en fait bah, c'est déjà compliqué d'avoir des cartes Trainer Gallery. Alors en plus avoir les V et les secrètes et tout ça, enfin les secrètes, vous avez compris, c'est assez fou. Le Fragile Lady de Hisui V-Star qui fait plaisir aussi. Oh là 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 là. Oh. Non mais c'est quoi ces boosters les gars? C'est quoi ces boosters qui m'attendaient depuis tout ce temps? Depuis des mois j'ai ces boosters, vous vous rendez compte? Franchement là, même si on n'a pas Jirachi, on a déjà des trucs de ouf. Et c'est pas fini, on a encore un code noir, c'est incroyable. Je suis trop contente de cette ouverture. Allez, c'est reparti, nous avons un Scalpion,
Medienna, Yanma, Simularbre, Beaudrive, Énergie Obscure, Grodrive, Lino, Cochignon, Hippodocus, en peu comme une reverse cette fois-ci, pas d'ultra sur la reverse, mais nous avons un Clamiral de Issui V en ultra rare sur la rare, c'est incroyable, elle est trop belle, oh, j'adore, elle est trop trop belle, elle est canon de ouf, gros gros coup de cœur pour celle-là, j'adore, moi j'adore les Pokémon de Issui là, c'est bon, hein. Je suis complètement convaincue, mais vous vous rendez compte là, attendez, il nous reste encore énormément de boosters, et on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes ultra rares. 6 cartes ultra rares. Et il nous reste plein de boosters. Oh, c'est abusé. Non mais, encore un code noir. C'est incroyable ce qui se passe. Franchement, c'est hallucinant. Je viens vraiment de les prendre dans le display comme ça. Je les ai même pas triés. Hein. Ils sont encore par... Enfin, ils sont même pas par ordre de booster ou quoi. Nous avons un Pijako, Marcacrin, Ponyta, Krixik, Psychoquack, une énergie plante, Barbicha, Temple de Sinnoh, Cranidos, un Arcanin de Issui. Un rare reverse, très joli. Et nous avons un Absol holographique. Absol holo, qui est une très belle carte. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Super, super pioche. Je suis trop choquée. Je suis trop bien, là. Je suis trop contente. J'adore les ouvertures comme celle-là. Ça faisait des semaines que j'avais envie de les ouvrir. Ces boosters, encore un code noir. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, let's go. Nous avons un Grelasson, Furéglon, Ponyta, Pijako, Archéomir, une énergie... Obscur, Lino, Électrode de Issui, Piolet Courageux, un Quilpic de Issui, c'est une rare reverse, ou peut-être une holo reverse, et un Galam en holographique derrière. Très très beau ce Galam, on le valide, on l'adore. Trop cool, trop trop cool. Quand on n'a pas des ultras, on a des holos, franchement. Tout va bien dans le meilleur des mondes, les gars. Je suis aux anges, on est reparti. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et nous avons Farfuret de Issui, Feu Forêve, Insécateur, Evoli, Scarino, une énergie plante, Barbicha, Miel, Mélocrique, Lunette super efficace, c'est une peu comme une river, c'est Regidrago, que nous n'avions pas déjà en Regice, enfin en Regi, en rare, ok, on en parlait et on l'a chopé. Enfin, peut-être que je l'avais déjà eu sur d'autres ouvertures, hein, mais en tout cas j'ai l'impression qu'on a toutes les régies sur cette vidéo. On ouvre quand même 2/3 d'une display, donc voilà, sachant que j'avais ouvert 1/3 sur les 12 boosters que je vous avais déjà ouvert, donc comme ça vous voyez un display si vous regardez les deux vidéos en entier, ce que ça donne. Goupillou, Hippopotas, Érissandre, Caninos de Issui, Quillfish de Issui, une énergie électrique, Grodrive, Chaussures de randonnée, Aquaquack, Magnézone, très très jolie carte, c'est une rare reverse, magnifique, et Magirève, aurore, ok. Il reste encore tellement de boosters, on peut avoir encore tellement de choses. On n'a pas eu de full art pour le moment. Alors, est-ce qu'il y avait eu des full art sur les 12 premiers boosters? Je ne me rappelle plus. Mais bah, si on n'a pas encore eu de full art, on va en avoir une. Au moins, hein, voire deux, hein, ça peut arriver. Pijako, Simularbre, Beaudrive, Magnéti, Tarsal, Énergie, Combat, Selena, Crefadet, Vitalité de Flo, Ponyta en commune reverse et Graillena en rare. Ça, c'était un booster... Pouette, pouette. Allez, prochain booster. Là, on enchaîne un peu les codes blancs, ce qui est normal, vu qu'on a eu vraiment 500 codes noirs avec que des belles cartes. On est reparti avec Shaglam, Medienna, un Marcacrin, Chlorobule, Quillfish de Issui, une énergie Feu, Noirfang, Rusticité et Flèche. Oh, magnifique, magnifique. Un Hoot-Hoot pour la Trainer Galerie. Et derrière, un Nachécateur en rare, mais nous allons nous attarder sur ce Hoot-Hoot qui est vraiment super super beau, magnifique avec son dresseur, la TG12, très 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 belle carte, j'adore, on la met tout de suite sous pochette et on va enchaîner, j'adore, par contre je galère, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, magnifique, elle rend super bien, ça fait bizarre par contre les bords jaunes avec cette illustration comme ça, mais c'est très très joli, j'adore, j'adore, allez, on est reparti. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boosters, les gars. 7 boosters pour espérer avoir notre Jirachi full art. Je me dis que si j'y crois très fort, ça va se passer. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, les gars. Quillfish, Insécateur, Togepi, Apitrini, Psychoquack, une énergie Psy, Archéodonk, Mateloutre, Yann Mega, un Grelasson, Commune Reverse. Et nous avons Mâconnière V. Mâconnière V, c'est quand même stylé. On est quand même content, même si c'est pas mon Jirachi full art. Elle est très stylée. Elle est très cool. Il est beau, hein? Je pense que je l'avais pas, hein, parce que ça me dit pas grand-chose, ce Mâconnière comme ça, en plein mouvement.
Donc je pense que je n'avais pas cette très jolie ultra rare qui se rajoute aux 56 ultra rares de cette vidéo. Puis même ces boosters, je sais pas, je sens qu'ils sont forts, je sens qu'ils sont... Je les aime bien. Je les aime bien et j'aime encore plus ce code noir qui arrive avec peut-être encore une ultra rare, je ne sais pas. Nous avons un Scarino, Teddy Ursa, Voltorb de Hisuie, Démanta, Bargantua de Hisuie, Vestar, Créelf, Quillpix de Hisuie, Cormier, en reverse un Apitrini et un écrémeux holographique. Ok, une petite holo de temps en temps, ça ne fait pas de mal, on ne va pas s'en plaindre, on ne l'avait probablement pas. Donc ça fait plaisir. Allez, on est reparti. Il nous reste 5 boosters là les gars, 5 boosters pour espérer encore un code noir. Chaque code noir nous fait espérer un peu plus. Hop, let's go, Moustillon, Archéomir, Hoot Hoot, Krixik, Serfrousse, une énergie, Acier, Cochignon, Électrode de Hisuie, Lunette super efficace, un Magirève, c'est une rare reverse, très très jolie pioche. Et nous avons le Jirachi. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Non mais c'est hallucinant les gars. C'est, j'y croyais sans y croire, mais j'y croyais, mais sans y croire. Franchement, j'y croyais pas. Je me suis dit, vas-y, on va dire qu'on fait ça dans la vidéo, mais la proba pour qu'on ait 7 full art par rapport à d'autres, vous vous rendez pas compte le nombre de full art qu'il y a dans cette série? Oh my god, on a eu, c'était 100% impossible. La proba, les gars, était tellement faible. Waouh, je suis choquée de ouf. C'est incroyable. Oh, je me suis dit, ça va juste être un live goal pour la vidéo, mais genre, impossible qu'on l'ait. C'est quoi cette vidéo, les gars? Vous avez... On a un tas d'ultra rares, comme ça, et on a Jirachi. On a le Jirachi. Je vais regarder son état. Elle est très bien, parfaite. Alors, attendez, je vous la montre de plus près, et après, je la mets sous pochette. Jirachi full art. Oh là là. Incroyable. La chance de ouf. La proba était impossible. Ah, je suis choquée, là. Waouh, 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 waouh. J'espère que je perdrai pas ces rushs avant de mettre cette vidéo sur YouTube, parce que là, c'est un truc de malade. C'est la seule full art que je voulais vraiment, et on l'a chopé, quoi. Oh. Est-ce que c'est pas la chance de Miss Jirachi? Jirachi, c'est le Pokémon qui exauce les vœux, donc... C'est pour ça que je l'ai choisi aussi, c'est parce que bon déjà j'aimais bien son nom, j'aimais bien sa tête, et j'aimais bien son histoire, et là, je suis choquée. Bon bah là on a une autre live goal, les gars, on finit les 4 derniers boosters, mais c'est une vidéo, excepté une de mes meilleures vidéos probablement. Nous avons un Farfuré, Feu Forêve, un Sécateur, Barloche, Evoli, une énergie eau, Chaffreux, Créfadet, Chariot Échange, en reverse Galam qu'on a eu en Holo River tout à l'heure, et Philali en rare. Ok, oh, je suis choquée les gars, je suis choquée, oh, le Jirachi que je voulais quoi, ça arrive jamais quand on dit on veut cette carte, on l'a pas, on l'a jamais, Caninos, Voltorb, Furéglon, ça m'a calmé là, hein. Ponyta, Brindibou, une énergie obscure, et Flèche, Grodrive, Lino, Krixik et Mamouchon, oh là là, je tremble, je suis pas bien là. Je suis pas bien, je vous jure, je suis pas bien. Ça m'a... Je m'y attendais pas, je les espérais, mais sans y croire, quoi. C'est fou. Nous avons Psychoquack, Simularbre, Baudrive, Magnéti, Tarsal, une énergie plante, Turbo Patience, Dinoclier, Selena, Galopa, Magnifique Carte, c'est une rare reverse, et un Quillpix en rare. Dernier booster, les gars, et ensuite, heureusement que cette vidéo s'arrête, parce que là, je suis un peu en état de choc. C'est une carte noire pour le dernier booster. Est-ce que ça annonce une dernière chose ultra rare? Je ne sais pas. Marcacrin, Grelasson, Hippopotasse, Hérissante, Scalpion, Énergie Plante, Cormier, Noirfang, Fossile Inconnu, Psychoquack, c'est une commune reverse, et Nachara holographique. Très très cool, très très belle carte Nachara, qui est très sympa pour le jeu. Donc voilà, bah écoutez, c'est incroyable, la dernière ultra rare qu'on a eue, c'est Jirachi. C'est exceptionnel. Alors attendez, je vais les trier rapidement pour pouvoir vous montrer un peu tout ce qu'on a eu, mais qu'est-ce que c'est que cette pioche, les gars? Qu'est-ce que c'est que cette pioche de malade? Ok, je vous remontre tout ça. Donc en 24 boosters, alors c'est normal si c'est flou, hein, c'est les pochettes qui sont affreuses. Nous avons Hoot Hoot Trainer Gallery,
Mackonyr V, Palkia Originelle V, Clamiral de Isui V, Darkrai V Star, Jirachi V Full Art, Karchakrok V Trainer Gallery, donc en secrète entre guillemets. Pareil, Silver Roi Cavalier du Froid V Max, ça c'est exceptionnel aussi les gars. Et pour terminer, Fragile Lady de Isui V Star, Rainbow, donc secrète des secrètes de chez Secrète par contre, 190 sur 189. Voilà, que dire de plus, mis à part que cette ouverture était folle, surtout pour cette incroyable carte de Jirachi. Merci à la vie, hein, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis choquée, je suis trop contente, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker à fond, à la partager, dites-moi tous vos avis dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.